À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Existe-t-il plusieurs races humaines? Nous appartenons tous à une seule grande espèce, l'Homo sapiens sapiens, l'être humain. Ce que certains appellent race, ce sont des groupes d'humains formés selon des critères choisis, comme la couleur de peau. Mais il faut savoir que tous les humains ont 99,9% de leurs gènes en commun. Donc, biologiquement, il n'existe pas de race humaine, seulement une seule espèce, l'espèce humaine. Alors, pourquoi on entend parler de race? Car il y a des personnes racistes qui souhaitent classer les humains en fonction de leur apparence. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis pensaient qu'ils appartenaient à la race aryenne, des humains à la peau blanche, blond et aux yeux bleus. L'existence de cette race aryenne n'était pas prouvée scientifiquement, mais elle permettait aux nazis d'exclure le reste de la population. Les gens racistes utilisent souvent l'idée de race pour affirmer qu'ils sont supérieurs. Ce qui leur permet d'exclure ou de persécuter les autres, qu'ils déclarent généralement inférieurs. Par exemple, en Afrique du Sud, durant l'apartheid, de 1948 à 1991, les Blancs et les Noirs n'avaient pas les mêmes droits et les Blancs étaient favorisés. Tout au long de l'histoire, il y a toujours eu des gens pour utiliser cette idée non scientifique de race pour rejeter ceux qui ne leur ressemblaient pas. Et encore aujourd'hui, certains utilisent des idées racistes pour accuser une partie de la population d'être responsable de problèmes dont souffre leur pays. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.